Good morgen, Aleïd, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amramir Ben Chana Piggy Batester, Nissim Ben Aouda, et aussi des fois Ruth, Bat Claudine Traïna, Bitor, Charles, Israël, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions ma séchette de Dieu, et Torégeven Mishnah Vav. Achevouya, Ochelet, Bat Rouma, Divrei, Rabidosa, Bachachami Mourim, Yesh, Shvouya, Ochelet, Veyesh, Shvouya, Sheina, Ochelet, Keitzan, Haisha, Shamranish, Beti, Oteorani, Ochelet. Une Mishnah qui nous envoie dans Masechet Ketubot, où là-bas on évoque tout d'abord une femme mariée qui se fait violer par un étranger reste permise à son mari. Seule femme qui était consentante devient interdite à son mari. Avec une exception, la femme du Kohen, que même si elle se fait violer malgré elle, elle prend un statut de Zona. Zona, on traduit ça comme prostituée, mais c'est pas exact. Ça inclut toutes sortes de rapports interdits. En l'occurrence, un d'entre eux, celle qui a été toute jeune fille qui aurait eu un rapport avec un goy, par exemple, rend cette femme, la rend Zona, qu'elle devient interdite à se marier avec un Kohen. Une jeune fille Israël qui aurait un rapport même interdit, alors qu'elle est Nida, avec un Israël et qui se marie ensuite avec un autre Kohen, elle est permise, elle a le droit de se marier avec elle. Mais si elle a eu un rapport avec un Goy, la Goy la rend, lui donne un statut spécial de Zona. Le Kohen n'a plus le droit de se marier avec elle. Ses enfants, s'ils se marient avec elle, ses enfants seront des Halalim, des Kohen Halal. D'accord ? Maintenant, le sujet, d'abord avant d'arriver dans notre Mishnah, donc une femme mariée Kohenet qui se fait violer n'a plus le droit de rester avec son mari, est obligée de la divorcer. Elle n'a plus le droit de manger la Tourma, puisque jusqu'à maintenant elle était femme de Kohen, elle avait le droit, mais puisqu'elle ne peut plus rester avec lui, donc elle devient interdite à la Tourma. Le sujet de notre Mishnah va être maintenant de savoir si une femme de Kohen qui a été prise en captivité, on ne sait pas est-ce que ceux qui l'ont kidnappée ont abusé d'elle ou non. Bien évidemment, l'usage, ça va être rapporté dans le Zotum Dov, l'usage de ces mauvais hommes était de toucher un petit peu, mais en tout cas, pas forcément d'avoir des rapports. Et le sujet de notre Mishnah va être de savoir, donc, est-ce qu'une femme qui a été prise, une femme de Kohen qui a été prise en captivité, est-ce qu'on va l'interdire à manger la Trouma? Et la Mishnah nous enseigne. Hashvouya, donc la femme qui a été prise en captivité. Shavouy. Ochelet bitrouma. Elle a le droit de continuer à manger la Trouma, divrei Rabbi Dosa, telle la vie de Rabbi Dosa. La Gemara explique, ça rapporte dans le Tosot Yom Tov. Parce que ils abusent un petit peu en touchant ce qu'ils n'avaient pas à toucher, alors c'est une raison de soupçonner qu'ils sont partis jusqu'à passer à l'acte. Ils ne passent pas forcément à l'acte, de ce fait elle a une cheskat kashrut, elle était pour le moment supposée comme kshera, puisqu'elle était kshera, une femme israélienne kshera, de ce fait, tant que tu n'as pas de preuve, tu ne la changes pas de son statut, tu la laisses kshera, permise. Tel est l'avis de Rabbi Dosa. Les chachamim, omrim, chachamim ne sont pas d'accord, ils nous disent comme ça. Yesh shevuya ochelet, ve yesh shevuya she'en ochelet. Il y a une femme captive qui aura le droit de manger, et une autre femme captive qui n'aura pas le droit de manger. Keitzad, comment est le cas? Chachamim différencie. Haisha shamra nishbeti ou tehorani. Si une femme débarque, une femme de Kohen vient, elle a disparu de la circulation pendant 4 jours, 5 jours, et elle débarque. Et elle nous raconte, oui, 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 j'ai été prise en captivité. Des goyim m'ont pris, ils étaient en train de me transporter et ils m'ont amené dans un endroit. Hein. Finalement, j'ai réussi à m'enfuir et à revenir. Alors là, qui vous a appris qu'elle était prise en captivité? Peut-être quand elle est partie chez une copine. Qui sait? Donc de ce fait, c'est elle qui vient et qui nous apprend qu'elle a été prise en captivité. Et elle, maintenant, elle te raconte, mais tu sais, personne n'a abusé de moi. Ils ont essayé les mauvais, mais en tout cas, ils n'ont pas réussi, bon prochain. Donc je suis propre. Alors elle vient, nous raconte, sur sa femme, ils nous disent, dans un cas pareil, tu la crois. Pourquoi? Regarde, on fait ça dans les mots. Aisha Shamra Nishbeti, la femme qui vient et qui, elle, nous informe, nous raconte que Nishbeti, j'ai été prise en captivité, ou Tehorani, mais je suis malgré tout resté propre, pur. Ochelet, elle aura le droit de continuer à manger la trauma. Pourquoi? Chez Apeche Asar ou Apeche Itir, c'est une grande règle. La bouche qui interdit est la bouche qui te permet. S'il y a une chose, un morceau de viande posée sur la table, tu sais pas si c'est cachère, si ça n'a pas été cachère, c'était transporté par peu importe. Moi je viens et je te dis, tu sais, ce bout de viande, il a eu des problèmes, mais les problèmes ont été résolus. Alors est-ce que tu vas commencer à dire, ah attends, il y a eu des problèmes, donc peut-être que je suis en train de mentir et que ça n'a pas été résolu, quel que soit le problème. Alors c'est ça une grande règle, à pêcher à ça ou à pêcher à dire, si c'est moi qui t'informe qu'il y avait un problème, jusqu'à maintenant tu ne soupçonnais pas qu'il y avait de problème, c'est moi qui t'apprends qu'il y avait un problème, mais qu'il n'y a pas eu de problème.
Ça n'a pas été, l'interdit n'a pas été transgressé. Alors dans ce cas-là, tu dois me croire. La paix qui interdit est la même paix, la bouche qui interdit est la même bouche qui permet. Soit tu me crois entièrement, soit tu ne me crois pas du tout. Mais tu ne vas pas commencer à me dire oui, mais tu me crois à moitié pour dire qu'il y a un problème, mais finalement que je n'ai pas apporté de solution. C'est le même principe avec la femme. Elle vient, elle nous apprend qu'elle a été prise en captivité, donc elle reste pauvre. Par contre, vim yesh edim shenishbet. Par contre, s'il y a des témoins qu'elle a été prise en captivité, il y a des témoins qu'elle a été kidnappée. De ce fait, qui nous informe qu'elle a été prise en captivité? Des témoins. De ce fait, elle ne pourra plus elle témoigner sur elle-même qu'elle est restée propre. Parce que selon Chachamim, donc vim yesh edim shenishbet, s'il y a des témoins qu'elle a été prise en captivité, vehi omeret tehorani, et elle nous dit, mais malgré tout, croyez-moi que je suis pur. Malgré tout, on ne pourra plus la permettre de manger, étant donné que ces mzorob, ils sont soupçonnés de peut-être avoir abusé d'elle. Et nous, on ne peut pas la croire, parce que bien sûr, personne ne peut témoigner. Je ne peux pas témoigner sur moi-même que je suis cachère. C'est une grande règle. Je ne témoigne pas sur mes proches, parce que je suis soupçonné éventuellement de falsifier un petit peu la vérité. J'ai des intérêts. De ce fait, à plus forte raison, je ne peux pas témoigner sur moi-même que je restais propre. Donc de ce fait, elle n'est pas crue. Nos seules preuves à avoir, c'est avoir des témoins, et en l'occurrence, il n'y en a pas, puisqu'il y a justement des témoins qui étaient présents en captivité. Donc, elle sera interdite, elle ne pourra plus manger la tourma. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de slacha kol tov, c'est là.